Nous sommes sur la 7e étape du Tour de Suisse 2005, direction Lenk, dans le canton de Berne. Une étape un petit peu vallonnée avec l'échappée du jour, composée de Rodriguez, de la Davitamon Lotto, de Krohn, de la Rabobank, de Bernucci, de la Fassa Bortolo, Davide Echebarria de Liberty Seguros, Albissou de Scatel, Gerdemann de la formation CSC et Elminger de la formation Fonac. Personne de dangereux au classement général, l'équipe Quickstep laisse monter l'avance très très haut, mais l'écart va se réduire dans le final puisque les formations Lampre et Française des Jeux vont revenir. Les hommes de tête ont eu 4 minutes d'avance à 60 km de l'arrivée et n'est plus que de 1 minute à 10 km de l'arrivée. Alors, à 9 km du terme, Linus Gerdemann, 3e du Tour de Bavière, un Allemand de 22 ans, va attaquer et réaliser un numéro en solitaire pour résister au retour de ses anciens compagnons d'échappée. Le peloton se rapproche, mais le coureur allemand va s'imposer en solitaire pour une première victoire chez les professionnels. Derrière, on voit que c'est Bernucci qui prend la deuxième place. Et voici le classement de cette 7e étape du Tour de Suisse 2005 avec la victoire de Linus Gerdemann. Et au classement général, bien sûr, eh bien Michael Rogers conserve tranquillement son maillot jaune de leader. Ciao tout le monde.